La République démocratique du Congo va avoir une deuxième fibre optique, Mwanda Kinshasa, propriété de la société congolaise de la fibre optique, SOCOF. 500 km de fibre optique et autres matériels sont arrivés au port MGT à Matadi. Les ministres du portefeuille, Clément Kouété, et des postes téléphones et nouvelles technologies de l'information et de la communication PETENTIC, Augustin Kibasa, ont fait le déplacement pour réceptionner ce lot. On ne doit pas se le cacher, hein. On sait très bien qu'il y a une fibre qui est partie de Mwanda à Kinshasa, qui n'est pas de bonne qualité. Et donc on se dit c'est toujours bon là où il y a une fibre qui a une redondance. Donc aujourd'hui c'est vrai qu'il y a la SOCOF, mais il faudrait qu'on s'assure aussi que la fibre de la SCPT se porte mieux. Dans un monde numérisé, se connecter efficacement au réseau mondial n'est plus une option, c'est indispensable. Le gouvernement s'y est engagé. La société SOCOF qui s'occupe de la fibre optique, avec l'appui de nos partenaires, ils s'activent pour que nous puissions rendre opérationnelle la fibre optique. Et vous savez bien, avec comme conséquence, l'amélioration de la communication, l'utilisation des réseaux, Internet et d'autres logiciels. Et ça permettra à notre pays de ne pas rester en marge de la mondialisation. Le directeur général de la Société congolaise de la fibre optique SOCOF, Hubert Mamba, explique le contenu de ce premier lot. Dans ces 32 conteneurs, on trouve 500 kilomètres de tuyaux polyéthylène à haute densité, PEH2E en sigle, et également 5 kilomètres de tubes en acier. C'est toujours un avantage d'avoir la possibilité de basculer sur une autre ligne en cas d'une panne soudaine.